Bienvenue à tous. Merci d'être présent ici pour écouter ma petite présentation. J'aimerais savoir parmi vous d'abord s'il y a beaucoup de personnes qui apprécient de ne pas pouvoir élever leur voix ou donner leur voix. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui soit vraiment content de jamais pouvoir donner sa voix. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de deux projets qui sont développés chez Mozilla depuis quelques années maintenant et dont les deux noms sont présents sur le slide, Common Voice et Deep Speech. Je m'appelle Alexandre, je travaille au bureau Mozilla de Paris depuis quelques années. J'ai commencé sur Firefox OS, comme c'est visible sur mon suite. Et déjà, à l'époque de Firefox OS, on a eu besoin de faire de la voix. Et ça explique qu'on est construit comme Common Voice et Deep Speech. Très rapidement, parce qu'il y a des gens de tous âges ici, Mozilla, pour poser les bases, c'est une fondation américaine à but non lucratif qui a été construite après que Netscape et périclité à la fin des années 90, procès antitrust contre Microsoft. Et de cette époque-là, en fait, on retrouve un manifeste des différentes valeurs de Mozilla. Les valeurs qui sont défendues pour garantir un Internet libre et ouvert à tous, partout, dans le monde entier. Et c'est important parce qu'à l'heure actuelle, vous ne vous rendez pas forcément compte, mais à l'époque, il y avait une monoculture très forte sur Internet Explorer qui n'était pas un logiciel libre, qui était entièrement entre les mains de Microsoft. Donc en gros, Microsoft, boîte commerciale fermée, contrôlait complètement l'avancée du web. Et même, on peut dire, la ralentissait. C'est une monoculture qui a un petit peu évolué à l'heure actuelle, puisque Chrome, même si c'est très très dominant, ça reste un logiciel libre sur lequel d'autres peuvent contribuer. Et donc, tout ça, je digresse un peu, tout ça pour vous dire que la fondation et la société Mozilla, son bras armé, sont là pour défendre des valeurs d'ouverture qui rejoignent la voix. Et pourquoi ça rejoint la voix? Je vais vous l'expliquer juste après. La présentation devrait durer à peu près 45 minutes. On va essayer d'avoir un petit quart d'heure à la fin pour des questions. Je vous encourage à poser des questions de tout ordre, que ce soit technique ou linguistique ou éthique. On est là pour discuter de tout. Donc, je vais commencer par prendre un angle d'attaque sur l'écosystème des assistants numériques, parce que c'est quelque chose qui croît assez fortement à l'heure actuelle. Et ensuite, ça va me permettre de vous expliquer pourquoi Common Voice est important et pourquoi Deep Speech est important et ce qu'on fait précisément. Donc, assistant numérique. Ensuite, je vous explique Common Voice. Je vais passer un peu de temps à vous parler de la communauté parce que c'est un projet qui est non seulement ouvert sur la communauté, mais qui est porté par la communauté, qui est fait par la communauté. Ensuite, on va rentrer dans la partie un peu plus technique sur Deep Speech. La partie Common Voice, ça devrait vraiment... Enfin, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit vraiment accessible à tous et à toutes. Donc, la partie Deep Speech sera un petit peu plus technique. Assistant numérique et voix, pourquoi Common Voice, c'est important? La navigation web est de plus en plus, directement ou indirectement, liée à la voix. Les assistants numériques, que ce soit des smartphones, avec un Google Assistant ou un truc comme ça, une enceinte connectée, la réalité virtuelle, tout ça, en fait, si on réfléchit un petit peu, ce sont des dispositifs qui vous permettent d'accéder au web. Beaucoup d'accéder au web. Et c'est des dispositifs, quand vous faites une recherche, quand vous parlez à Alexa, vous lui dites quelle est la pizzeria la plus proche pour commander, je sais pas, une 4 fromages, il va aller chercher ça sur le web. Même si il ne vous présente pas une page web, l'information va venir du web. Donc, la voix devient un des médiums d'accès principal au web. Et dans le contrôle de la voix, il y a donc le contrôle du web.
Or, l'objectif de Mozilla, c'est de garder un web ouvert. Donc, il nous paraît important, si on veut travailler sur cet objectif-là, que la voix et la manière d'interagir avec la voix soient ouvertes. Le traitement de la voix, historiquement et aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement lourd en termes de quantité de calcul à effectuer. Et cette quantité et cette masse de calcul a fait que, historiquement, on a eu besoin de services en ligne pour pouvoir déporter ça parce qu'on ne pouvait pas le faire localement. Donc ça a amené à l'émergence de gros acteurs qui centralisent beaucoup de choses. La voix, c'est quelque chose qui est en train de devenir extrêmement important. Ça, c'est basé sur des données que j'avais trouvées d'études de marché, de consultants, de futuristes, qui expliquaient qu'en 2016, alors c'était centré sur le marché américain, mais ce qu'on voit sur le marché américain, ça arrive aussi chez nous. En 2016, ils estimaient à peu près 20% de recherche du web lancée à partir de la voix. Et ils prévoyaient plus de 50% lancée à partir de la voix d'ici 2020. Donc 2020, c'est demain maintenant. C'est demain. Et c'est vraiment quelque chose qu'on commence à observer. Je ne sais pas si vous avez dans votre famille des gens beaucoup plus jeunes. Moi, j'ai jeté un œil un petit peu aux plus jeunes. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à beaucoup plus utiliser la voix pour faire des recherches, pour taper des choses, etc. Donc cette tendance-là, on la voit et elle impacte vraiment le web. Donc le postulat de départ nous paraît assez fondé. Cette reconnaissance vocale à l'heure actuelle, elle est principalement entre les mains de quelques gros acteurs, des géants du web. Donc pour ne pas les nommer, ça va être Amazon, ça va être Facebook, ça va être Google, ça va être Apple, ça va être Microsoft, ça va être Baidu. Et le fait que ce soit entre leurs mains fait qu'ils ont un contrôle sur la technologie, mais aussi sur la langue. Ça, j'y reviendrai un petit peu après, mais techniquement, ils contrôlent la langue. Le fait qu'il y ait cette concentration autour de ces quelques acteurs, ça va aussi mettre des barrières assez élevées pour l'utilisation des différentes API et des différents services. Et donc, ça va, de fait, exclure plus des petites startups qui voudraient démarrer et qui n'ont pas les moyens d'avoir du volume sur une instance de reconnaissance vocale. Ça va aussi exclure des langages ou des marchés qui sont dits mineurs. J'aime pas trop le terme mineur parce que ça fait une hiérarchie entre les langages. Il n'y a pas de hiérarchie entre les langages. Mais en termes de volume de locuteurs, il y a quand même des langues où malheureusement il y a moins de personnes que d'autres. Et donc la logique du marché fait que il y aura moins de ressources allouées pour ces langages-là. Or, des fois, il y a des gens qui sont motivés, même si ça ne les intéresse pas. Historiquement, Mozilla a toujours réussi à faire quelque chose grâce à sa communauté, en étant capable d'outiller intelligemment sa communauté. Donc là, c'est vraiment l'objectif, outiller la communauté pour être capable de proposer une alternative crédible et efficace. Et cette alternative, elle va se faire sur une articulation de deux projets. Parce qu'il y a deux ingrédients principaux pour pouvoir faire de la reconnaissance vocale. Il y a d'abord l'aspect données, et ensuite l'aspect algorithmique. Donc l'aspect données, c'est le cœur de cible du projet Common Voice, c'est de collecter de la donnée. La donnée vocale associée à du texte, je vais rentrer dans les détails un petit peu après, et Deep Speech, sur lequel je reviens après, et qui est mon cœur d'attention principal au jour le jour, c'est vraiment l'utilisation de ces données-là et d'autres données, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore assez de données sur Common Voice, pour être capable de construire des algorithmes de reconnaissance vocale qui satisfassent à ce que nous, on veut faire pour mener et défendre la mission de Mozilla. Donc, Common Voice. Common Voice, à la base, c'est ça. Donc, c'est bêtement, j'aime pas bêtement, mais c'est simplement un site web sur lequel vous allez avoir des phrases qui sont présentées, un gros bouton avec un micro sur lequel vous pouvez cliquer. Et tout ce que vous avez à faire en tant que contributeur, et contributeur, ça peut être vous, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être votre grand-mère, votre grand-père. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit accessible à tous.
Donc vous lisez une phrase le plus naturellement possible. Si vous parlez lentement, vous la dites lentement. Si vous parlez très vite, vous la dites très vite. Si vous avez un accent, vous la dites avec votre accent. Si vous mangez la moitié des mots en temps normal, eh bien vous mangez la moitié des mots en disant. Ce que l'on veut arriver à faire, c'est vraiment collecter des données qui représentent la manière dont les gens parlent au jour le jour. Parce que collecter des données qui sont bien propres, bien nettoyées, bien sans bruit, avec des gens qui ont une diction parfaite, un bel accent, etc., c'est joli, mais ça ne permet pas de, construire des outils efficaces derrière. Donc là, vous allez pouvoir vous enregistrer sur 5 petites phrases. Elles sont toujours assez courtes, à la fois pour ne pas lasser les contributeurs et derrière, pour des contraintes techniques sur les algorithmes. Alors, c'est des extraits que j'ai pris de l'Assemblée nationale. Donc, des fois, ça a été la manière de démarrer le projet. Maintenant, on a eu des contributions qui nous ont amené des livres qui étaient sous licence libre, des recettes de cuisine, des extraits de pièces de théâtre, des choses comme ça. Évidemment, je reviendrai dessus, mais la licence des données est extrêmement importante pour pouvoir faire quelque chose qui soit réutilisable par la suite. La deuxième facette du projet, c'est la validation, qui peut potentiellement vous paraître moins importante, alors qu'en fait, c'est la plus importante. L'objectif, c'est d'écouter les phrases que les autres personnes ont enregistrées et de dire, eh ben, dans cette phrase-là, effectivement, c'est bien ce qui a été dit. Ou c'est pas ce qui a été dit. Alors, on a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là, parce que, par exemple, on n'indique pas une manière de bien valider. Donc, des fois, il y a des contributeurs qui vont avoir tendance à pas valider une phrase parce que la personne a trop mangé les mots. Ou c'est un cas qui m'a été rapporté récemment sur Discourse, qui est le forum qu'on utilise. Des personnes qui ont des problèmes d'élocution, qui vont des fois pas correctement prononcer certains mots. Et donc, du coup, ils se sont rendus compte que leur taux de phrases validées était plus faible. Donc ça, c'est aussi un autre problème qui est important et qu'on doit prendre en compte, parce que l'inclusion de toutes les personnes, quel que soit leur potentiel handicap, leurs origines, leur genre, leur âge, leur sexe, tout ce qu'on veut, ça fait partie des objectifs principaux de Mozilla et du projet. Cette phase de validation, ça permet aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas des petits plaisantins qui envoient n'importe quoi. Ce qui, jusqu'à présent, depuis que le projet a été lancé, finalement, c'est pas trop présenté. Une facette aussi importante, c'est que les phrases que vous avez vues, à l'origine du projet, il fallait envoyer un patch sur GitHub pour les rajouter. Donc, comme on veut être un projet assez ouvert, assez accessible au plus grand nombre, ce n'était pas forcément ultra pratique. Et puis même, pour nous, ce n'était pas forcément très pratique. Donc, y a un outil qui a été créé qui s'appelle Sentence Collector, qui est aussi en cours d'amélioration, qui permet à tout à chacun de partager des phrases qui sont sous licence libre. Donc, ça peut être des phrases que vous allez récupérer à droite, à gauche. Ça peut être des phrases que vous produisez vous-même. Ça peut être des... Je vois des étudiants, ça peut être des rapports, des extraits d'un rapport que vous avez écrit dans le cadre de vos études, et puis vous dites, bah tiens, je vais autoriser l'utilisation sous CC0 de ce bout de rapport-là, comme ça va améliorer la base de données. Ça peut être de toutes les origines, la seule contrainte, c'est que ce soit des données dont vous puissiez vous assurer que la licence est valable. Donc la licence qui a été choisie, et là c'est une contrainte assez forte, c'est la CC0. C'est ce qui nous permet derrière, quand on met à disposition le jeu de données, de faire en sorte qu'il soit le plus réutilisable possible. Parce que quand on construit un jeu de données, c'est quand même important que ce jeu de données-là soit le plus réutilisable possible. Alors, je ne veux pas non plus entrer dans des débats sur les licences dans tous les sens. Il y a plein de bonnes raisons qui font qu'on puisse vouloir privilégier des licences qui favorisent des contributions en retour, etc. Et il y a aussi plein de bonnes raisons qui font qu'on puisse privilégier des licences plus orientées BSD, MIT, etc. C'est deux chapelles qui se sont toujours entrechoquées et je ne pense pas que ce genre de débat soit extrêmement intéressant à l'heure actuelle. L'objectif, c'est que tout à chacun puisse contribuer à la fois à la collecte, à la fois à l'utilisation. Donc l'objectif de Common Voice, c'est de casser ces trois grosses barrières pour accéder à la voix.
par la première barrière qu'on a identifiée, et ça, ça remonte vraiment à l'époque de Firefox OS, c'est l'accès à des gros jeux de données qui soient publiquement accessibles. C'est-à-dire, même pour le français ou l'anglais, c'est difficile de trouver des jeux de données en volume, en qualité et en licence qui soient disponibles et utilisables. Le coût qui vient après, c'est que si on casse la contrainte de jeux de données publiquement accessibles, on dit « Ok, on va mettre quelques centaines de milliers de dollars sur la table, on va les avoir ces données ». En fait, même dans les jeux de données commerciaux, c'est compliqué, ça coûte extrêmement cher. On s'y est attelé pour le modèle anglais. Il y a des contraintes légales qui sont assez fortes. Donc, tout ça fait que c'est... Imaginez une petite start-up, une petite entreprise qui démarre. Il faut déjà prévoir un avocat, il faut déjà prévoir 6 mois de négociation avec des gros acteurs qui n'ont pas forcément envie de vous aider. Ça part mal. Donc, il y a une barrière qui est vraiment importante et qu'on essaye de casser à ce niveau-là. Et puis, la troisième... seuls certains marchés sont bien pourvus. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous avez la chance de parler anglais, français, allemand ou espagnol, vous allez être considéré. Si vous ne parlez pas assez d'anglais, parce que vous n'êtes pas né dans la bonne partie du monde, eh ben, on va vous couper l'accès à une partie de la technologie, à une partie du web d'aujourd'hui. Ça, c'est aussi quelque chose qui ne nous convient pas en tant que Mozilla. Donc c'est quelque chose... qu'on a en tête quand on fait Common Voice et pour lequel on essaye de faire en sorte que ça puisse avancer. C'est important parce que ça nous permet aussi de nous reposer, de donner un peu la main à la communauté à ce niveau-là. Les données qu'on collecte, c'est des données qui sont utilisées pour faire de l'apprentissage machine. Donc l'apprentissage machine, c'est pas très compliqué, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Ici, les données, c'est de l'audio et le texte qui correspond. Comme ça, la machine, elle arrive à apprendre à faire le lien entre les deux. Et c'est en visualisant ça, ou en le comprenant, que vous pouvez prendre conscience de l'importance de la qualité et de la diversité des données qu'on collecte. Si on n'a pas assez de voix féminines, si on n'a pas assez de voix d'enfants, si on n'a pas assez de voix de personnes âgées, si on n'a pas assez de voix de personnes avec des accents du Sud, puisqu'on est dans le Sud aujourd'hui, le modèle ne sera pas capable de bien reconnaître les utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'il nous faut toute cette diversité-là. Et l'objectif à long terme, parce que ça prend du temps, c'est d'avoir à peu près 10 000 heures de données validées pour les différentes langues. Au niveau des langues, Mozilla ne veut pas servir de barrière pour dire « nous, on met des ressources sur telle langue, nous, on met des ressources sur telle langue, nous, on met des ressources sur telle langue. » Donc la décision qui a été prise au niveau de l'internationalisation de Common Voice, ça a été de dire « on va mettre en place les outils pour que les différentes communautés qui sont intéressées pour leur langue se mobilisent, collectent les jeux de données, animent leur communauté pour faire la contribution vocale et la validation. Et nous, on se borne, entre guillemets, à faire une fourniture d'infrastructures. » Ce qui nous permet d'avoir un processus assez simple et assez ouvert pour pouvoir rajouter une nouvelle langue sur le site. La première étape assez triviale, c'est de traduire le site Common Voice. Ensuite, il faut être capable de construire une collection de phrases de départ sous licence CC0. Donc encore une fois, c'est la contrainte la plus forte à ce niveau-là. Et on a besoin d'une collection de phrases de départ qu'on estime autour de 5000 phrases à peu près, des phrases d'une quinzaine de mots. L'objectif, c'est qu'il y ait suffisamment de contenu et que ce contenu soit suffisamment divers au lancement pour que les premiers contributeurs ne se lassent pas et que les contributions en termes de champ lexical soient assez variées. Ensuite, évidemment, au fur et à mesure de l'avancement du projet, il faut continuellement rajouter des phrases, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de contributeurs qui vont s'enregistrer sur les mêmes phrases, et derrière, au niveau des algorithmes de machine learning, ça ne va pas bien se passer. Donc il y a toute une animation de communauté à pouvoir prendre en charge, mais sur les 30 et quelques langues qu'on a maintenant, ça se passe plutôt bien.
Il y a une phase de vérification pour s'assurer que les phrases sont plus ou moins correctes. Alors, il y a des fois des gens qui sont un petit peu pédants sur la grammaire, sur la typographie. C'est compliqué parce que d'un côté, effectivement, on n'a pas forcément envie de laisser passer des choses qui sont fausses. Et d'un autre côté, c'est aussi important de représenter la manière dont les gens s'expriment. Donc, il faut arriver à trouver la balance. Tout ça, c'est des décisions à prendre au niveau de chaque communauté. Et une fois que ces différentes étapes et que toutes vos phrases ont été validées, c'est bon, les gens peuvent commencer à contribuer. Donc, par exemple, pour le français, sachant que je n'avais pas préparé grand-chose, il a dû me falloir un week-end pour faire ça. Un week-end pour localiser le site web, trouver des jeux de données. Donc, j'étais parti sur les débats de l'Assemblée nationale. J'ai fait l'import et puis voilà, ça marchait. Et puis après, au fur et à mesure, il y a eu des contributeurs qui se sont rajoutés, qui ont apporté leur pierre à l'édifice. On a des contributions qui sont venues de gens de Framasoft pour l'import de Framabook. On a des contributions qui sont venues de personnes diverses et variées pour rajouter des recettes de cuisine, plein de choses. Ce qu'on produit de Common Voice, c'est un jeu de données qu'on a essayé de rendre le plus facilement accessible. C'est-à-dire que la seule contrainte, c'est qu'on va demander une adresse mail pour pouvoir ensuite communiquer avec les gens, avoir des retours sur leur utilisation du jeu de données, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de tracking publicitaire ou de choses comme ça. C'est vraiment uniquement à des fins d'amélioration du projet. De toute façon, on n'a pas assez de personnes dans le projet pour faire de la publicité et des choses comme ça. Donc, on se concentre vraiment sur ce qui est important. L'objectif de ce jeu de données-là, donc, c'est que tout à chacun puisse expérimenter avec. On a déjà fait deux releases. La dernière release, elle a eu lieu en février dernier. On a quelques petits points bloquants à l'heure actuelle qui font qu'on n'en a pas encore fait une nouvelle, mais on travaille dessus. Et je vous parle beaucoup de communauté depuis tout à l'heure, ça serait bien d'aller un peu plus en détail. Donc quand on a construit Common Voice, ça a été construit vraiment en co-construction avec la communauté. C'est pas Mozilla, trois ingénieurs qui se sont mis dans un bureau, qui ont pondu un truc et puis on dit tiens, tenez la communauté, voilà ce dont vous avez besoin. On a échanger directement avec les contributeurs, notamment les localisateurs, parce que ça fait une bonne partie de la communauté autour de Mozilla. C'est des gens qui traduisent Firefox, qui traduisent Thunderbird, qui répondent aux questions dans les différentes langues. Donc on a été leur parler, on a été les écouter, on a pris contact avec des linguistes, avec des experts dans les différents domaines, pour pouvoir construire l'outil qui répondrait le mieux à ce que nous, on estime au niveau données et enjeux, et ce que les communautés ont besoin pour pouvoir le faire. Donc ça a été construit vraiment en collaboration. Et donc dans ces contributeurs, qui peut être contributeur? Alors évidemment, c'est pas bien passé, mais là, noir sur fond, c'est pas cool. Tout le monde peut être contributeur. Vous pouvez être contributeur. Tout le monde. Que vous soyez un hacker individuel qui fait ça pendant son week-end, que vous ayez une start-up, que vous soyez chercheur, que vous soyez juste utilisateur. Je mets l'exemple de la télémétrie dans Firefox. Quand vous activez la télémétrie dans Firefox, vous remontez énormément de bonnes informations sur comment se comporte Firefox et ça nous permet de l'améliorer. Donc déjà, utiliser le jeu de données Common Voice, nous dire eh ben, moi, je l'ai utilisé, j'ai fait ça, j'ai réussi à construire ça. C'est déjà une contribution et c'est une contribution importante. Ensuite, chacun des profils va avoir un objectif et un point de vue qui va être évidemment différent. Une société ou une start-up, leur objectif, ça va peut-être être de pouvoir construire un modèle de reconnaissance ou de synthèse vocale à partir de ces données-là, sans que ça leur coûte trop cher ni que ce soit trop compliqué d'accéder aux données. Des chercheurs, ce qui va peut-être les intéresser, ce sera la diversité des données qu'on a à l'heure actuelle qui leur permettent de construire de nouveaux outils de benchmarking pour les différents modèles existants. Des personnes individuelles, bah, peut-être qu'ils vont vouloir... Je vais vous prendre l'exemple d'un contributeur qui a contribué il y a déjà un moment sur DeepSpeech.
Son objectif, donc, je crois qu'il était formateur dans la police et il s'amusait beaucoup avec des petits robots. Et donc, il est venu nous voir parce que son objectif, c'est qu'il avait construit un petit robot avec une carte Jetson. Et donc, son objectif, c'était de commander son robot à la voix. C'est le genre de contribution qui ne va pas forcément correspondre à d'autres cas d'utilisation, mais qui nous donne un retour intéressant, puisque c'est assez aligné avec ce qu'on veut faire. Je vais aussi vous parler des cas de langue plus régionale, ce qui va du coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent l'occitan ou qui parlent d'autres langues régionales. Donc là, je vous ai pris le cas du Kabyle. Alors, pourquoi le cas du Kabyle ? Parce qu'il se trouve que c'est un cas intéressant. Il y a une forte culture dans cette communauté-là. La Kabylie, c'est une région d'Algérie, sur l'est du pays. Et si je devais faire un parallèle, mais je ne veux pas me faire jeter les pierres, disons que c'est un peu comme l'état d'esprit des Corses, des Bretons ou des Basques. Il y a une forte identité culturelle, il y a une langue locale, qu'il y a beaucoup de gens qui la parlent à l'heure actuelle. C'est-à-dire, vous baladez dans les rues, les gens vous parlent comme ça. Il y a une diaspora assez importante. Beaucoup de Kabyles en Europe et au Canada, par exemple. C'est une communauté qui avait déjà de la contribution sur Firefox. Et c'est une communauté qui est très active du fait de ses spécificités culturelles et politiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Au niveau politique, il y a des choses qui sont potentiellement un peu compliquées. Mais ça fait que c'est une communauté qui est extrêmement mobilisée, qui veut pousser pour avoir du Kabyle en reconnaissance et en synthèse vocale. Donc, ils ont une petite armée de contributeurs qui contribuent très fortement. Les chiffres sont peut-être plus complètement à jour, mais avec quelque chose comme 300-500 contributeurs, ils ont déjà réussi à valider plus de 266 heures d'audio. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à collecter suffisamment de textes pour le faire. Ils ont réussi à trouver le temps pour l'enregistrer et à le valider. À titre de comparaison, ce que j'avais noté sur l'allemand, il y avait 2000 contributeurs qui ont réussi à valider 412 heures. Donc voilà ce qu'une communauté motivée peut arriver à faire. Une autre partie de la communauté qui est assez intéressante, c'est l'aspect recherche. On a eu plusieurs contributions de différents gouvernements, notamment le gouvernement de Taïwan. Il y a eu une loi qui est passée il y a, je crois, un an maintenant, qui imposait, si je ne me trompe pas, d'avoir de la synthèse et de la reconnaissance vocale dans la langue locale. Et donc le gouvernement taïwanais a décidé de contribuer à Common Voice et à Deep Speech pour pouvoir faire ça. Donc ça veut dire qu'ils ont des gens qui travaillent pour ajouter du texte dans Common Voice, pour motiver des gens à s'enregistrer. Ils ont peut-être même des gens qui sont payés pour s'enregistrer. Je ne sais pas comment ça se met en place précisément. Mais le fait est qu'ils sont capables de le faire et que ça bénéficie à tout le reste de la communauté taïwanaise. On a eu des contributions d'universités aussi qui ont rajouté du texte. Et on a formé... ça a fait suite aux différentes discussions qu'on a eues avec des experts. On a mis en place un groupe pour pouvoir définir de nouveaux benchmarks qui soient moins biaisés. Je ne sais pas précisément où ça en est, je ne suis pas dans le groupe, donc si vous avez des questions là-dessus, je peux les prendre et les transmettre, mais je ne pourrai pas y répondre. Quelques petits faits sur l'activité de la communauté. Il y a 38 langues qui sont actives. Il y a 6 mois, on était à 30. Donc ça bouge régulièrement. Les plus actifs, c'est l'anglais, l'allemand, le kabyle, le français. Ensuite, j'ai cité quelques langues régionales françaises qui ne sont pas forcément si actives. Je suis désolé, je n'ai pas mis l'occitan. Mais il me semble qu'il y a de l'occitan. On était à 1200 heures validées en novembre 2018. On est à 3300. J'ai vérifié ça hier ou avant-hier. Common Voice, c'est un projet qui a été lancé en anglais en juin 2017 et en juin 2018 en français. Donc vous voyez en un an et demi, deux ans, ce qu'on a réussi à obtenir. 284 heures validées en français. Voilà.
Bon, c'est pas des, c'est, je veux pas non plus vous assommer sous des chiffres. J'ai aussi quelques résultats sur la représentativité des données qu'on a dans la dernière release qu'on a pu faire en français. Donc là, c'est pas super joyeux. On n'a pas assez de diversité d'accent. On a beaucoup trop de... Enfin, beaucoup trop. On n'est pas assez représentatif de la diversité du français parlé dans le monde, puisqu'on a 74% d'accents qui sont qualifiés de France. Alors, quand les gens renseignent ces informations-là, c'est fait sur la base du volontariat. Évidemment, il n'y a pas de profil obligatoire à créer, donc il peut y avoir potentiellement beaucoup de gens qui ne renseignent pas ces données-là. Et ça explique aussi pourquoi, si vous faites la somme des pourcentages, ça fait loin de 100%. Mais sur le volume de données, je pense qu'on a quand même quelque chose qui représente ce qu'il y a dans le jeu de données. Et on voit qu'il y a un gros problème de diversité d'accent. Elle est où l'Afrique? Il y a 300 millions de locuteurs francophones en Afrique. On n'a personne là. Donc il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on continue à avancer. La répartition des genres, c'est pareil. Je pense pas qu'en France, il y ait 7% de personnes qui se qualifient de femmes. Donc, on a un gros problème. Mais bon, ça, c'est des biais qui s'expliquent, à mon avis, assez bien par le contexte. On reste dans une communauté autour des données libres, du logiciel libre, et c'est des communautés dans lesquelles ces problèmes-là sont déjà existants. Donc, forcément, quand nous, on fait la promotion, on entretient ces biais-là. Donc, on essaye aussi d'aller vers le plus grand public pour éviter de les entretenir, mais tout ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, toujours trop de temps, à mon avis. Mais on essaye de faire beaucoup d'efforts là-dessus, et on compte aussi sur les contributeurs qu'on rencontre pour arriver à faire passer ce message-là, essayer d'inciter toutes les connaissances que vous pouvez avoir à contribuer. On a un site qui s'appelle activate.mozilla.community qui permet de donner des astuces pour les gens qui veulent organiser des événements, qui veulent contribuer, etc. Et une des recommandations qu'il y a, c'est que ce n'est pas nécessaire de s'enregistrer personnellement plus d'un quart d'heure. Donc ça fait à peu près 200-220 petits clips audio. Au-delà, en fait, vous allez, entre guillemets, perdre votre temps parce que la quantité de données ne va pas être exploitable réellement par le machine learning. Et donc, il vaut mieux passer du temps ensuite à valider les enregistrements des autres, à contribuer dans d'autres langues que le français. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais insister. On n'a pas assez de diversité dans les accents aussi, dans toutes les langues. Il y a plein de gens ici, dans cette salle, qui probablement parle anglais, qui parle allemand, qui parle espagnol, qui parle je ne sais quelle autre langue. Et avoir la représentativité de ces accents-là, c'est important, et à l'heure actuelle, on n'en a pas assez. Donc, utilisez, je vous encourage à contribuer, et je vous encourage à contribuer en utilisant votre temps de la manière la plus efficace. Parce que, contrairement à un employé qui est payé pour faire ce qu'il fait, votre temps, vous le donnez à la communauté. Donc, il a, en tout cas à mes yeux, le temps d'un contributeur a plus de valeur que n'importe quel temps d'employé. On devrait le mettre sous cloche, l'encadrer dans un tableau. Les gens qui vont donner de leur temps pour aider les autres, fondamentalement, je comprends pas qu'on puisse même pas estimer que c'est normal de les féliciter, par exemple. Donc, contribuez, et s'il vous plaît, faites-le en exploitant correctement votre temps. On va passer sur quelque chose d'un petit peu plus technique. Si vous avez des questions sur Common Voice, sur les accents, sur les possibilités de contribution, il ne faut pas hésiter à les noter, puis on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler de la partie vraiment technique Deep Speech. Qu'est-ce que Deep Speech propose? Alors, j'ai mis proposition de valeur, ça fait peut-être un petit peu pompeux comme formulation, mais ça vous donne l'idée de ce qu'on, entre guillemets, garantit par le projet. Donc, on garantit trois choses: des outils, des modèles et une API. Des outils pour pouvoir entraîner un modèle de reconnaissance vocale.
C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que vous, n'importe où, contributeur, vous puissiez réentraîner votre modèle dans votre coin, sur votre machine. Vous ne devez pas être dépendant de ce que, de quelque chose de chez nous. Vous devez pouvoir être autonome. Ensuite, on veut pouvoir mettre à disposition un ou des modèles de qualité de production sous licence libre. Alors, je mets un ou des parce qu'à l'heure actuelle, on n'a le temps ni les moyens nécessaires que pour produire un modèle en anglais. On n'a pas assez de données en français et puis on n'a pas assez de machines pour pouvoir faire l'entraînement dans des conditions correctes. Mais vraiment, ça fait partie de nos objectifs. Encore une fois, en association avec le travail des contributeurs, il y a des gens qui sont en train de... qui s'y intéressent pour plusieurs langues, d'avoir autre chose que de l'anglais. Et une APIC, parce que il y a un moment, il faut quand même pouvoir utiliser le modèle. Et on est parti dès l'origine sur TensorFlow. On a essayé d'utiliser au maximum TensorFlow pour éviter de perdre du temps, réinventer une roue carrée qui ne roule pas bien. TensorFlow, c'est plutôt bien du côté de l'entraînement. Et par contre, pour l'utiliser, c'est quand même bien de l'outiller par-dessus. Donc c'est pour ça qu'on distribue une bibliothèque avec une API à nous, qu'on essaye de faire en sorte qu'elle soit la plus simple. C'est pas toujours facile. On a besoin des retours des différents contributeurs et des différents utilisateurs pour améliorer et simplifier. Pour être honnête, j'ai donné un workshop sur ça fin août à des gens qui faisaient principalement du JS. Et je me suis rendu compte que notre API elle était trop compliquée à utiliser. Donc on a passé le mois de septembre à prendre une tronçonneuse et à découper tout ce qu'on pouvait découper pour faire en sorte que ce soit plus simple et plus naturel. Mais ça, c'est des choses... si on n'a pas le retour des utilisateurs, on est tellement dans le projet, je pense que tous ceux parmi vous qui contribuent ou qui travaillent sur des projets similaires font face au même problème. On est tellement dans le truc qu'on ne se rend pas compte des problèmes. Donc on veut proposer un modèle libre ou des modèles libres pour de la reconnaissance vocale locale. Libre, ça veut dire qu'il doit être utilisable sans condition, réutilisable comme vous voulez et modifiable. Donc comme un logiciel libre. Vous devez pouvoir récupérer le modèle, l'améliorer pour votre cas d'utilisation. Et c'est en fait... alors, on pourrait se dire que c'est une vue de l'esprit pour faire joli, mais en fait, des retours qu'on a des utilisateurs de Deep Speech, c'est une propriété fondamentale d'être capable de prendre notre modèle et de l'adapter à leur cas d'utilisation. Ça veut dire qu'on a besoin de sources de données qui soient sous licence favorable. Donc, nous, on a choisi la CC0 dans Common Voice. Ça veut aussi dire que quand on a réussi à collecter les 4000 heures d'anglais pour pouvoir faire l'entraînement, on a dû négocier avec les avocats. Enfin, les avocats de Mozilla ont dû négocier avec les avocats des autres détenteurs de données pour qu'on ait une licence spéciale sur ces jeux de données-là, pour qu'on puisse produire un modèle qui soit libre et redistribuable et modifiable. Parce que les jeux de données qu'on utilise, ils sont à la base propriétaires. Donc ça veut dire que les jeux de données qu'on a, malheureusement, vous n'y avez pas forcément accès. Mais comme on a fait en sorte d'avoir une licence, on distribue ce qu'on appelle le checkpoint, donc en gros le graphe pendant l'entraînement. Et du coup, vous pouvez repartir de ça pour l'adapter à votre cas d'utilisation. Donc là, il faut composer avec les aspects légaux, mais on a réussi à avoir quelque chose qui fonctionne. Et il y a des gens qui nous ont montré leur adaptation du réseau, par exemple, pour des logiciels de transcription pour des médecins. Ils ont repris le réseau, ils ont adapté avec le jargon spécial scientifique. Et ça permet, il y a une vidéo sur le site de la boîte, je ne me souviens plus le nom. On voit le médecin qui dicte son compte-rendu d'opération et ça marche en temps réel et ça marche bien. Donc du coup, on est content. Pourquoi on vise la reconnaissance vocale locale? C'est toujours dans l'optique du manifeste Mozilla. C'est pour favoriser la décentralisation, simplifier l'intégration aussi, parce que dépendant d'un service en ligne, ce n'est pas forcément toujours possible. On n'a pas forcément toujours du réseau.
Et puis, ça fait partie de nos valeurs, en règle générale. Ça nous permet aussi de pouvoir dire qu'on va vouloir viser les petits périphériques. Je vais revenir là-dessus, mais les petits périphériques, ça va être téléphone, ça va être Raspberry, ça va être des choses comme ça. L'architecture du modèle. Alors là, je m'excuse auprès des gens qui ne sont pas trop versés dans la technique, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, mais en gros, le modèle qu'on utilise à la base, c'était une publication de Baidu, donc un moteur de recherche chinois, qui décrivait un modèle avec des couches bidirectionnelles récurrentes pour faire de la reconnaissance vocale de bout en bout. Donc la toute première version qu'on a faite, c'était simplement une réimplémentation de leur papier, avec l'objectif d'être capable de reproduire leur expérience, arriver à reproduire le modèle, arriver à obtenir les mêmes résultats en termes de taux d'erreur qu'eux. Donc la première partie, on transforme le signal audio avec ce qu'on appelle des MFCC, et ensuite on va partir dans une couche unidirectionnelle récurrente. D'ailleurs, il y a une belle faute parce que j'ai mis récurrence. Donc là, on diverge un petit peu et je vais revenir dessus dans la suite. Mais le modèle à l'heure actuelle, on n'a plus une couche bidirectionnelle, mais on a une couche unidirectionnelle. Ce qui change beaucoup de choses. La sortie de cette partie acoustique, parce que comme indiqué dans le petit titre, tout ça, c'est la partie acoustique. Donc ça va être capable de traiter l'onde sonore. La sortie, ça va être des distributions de probabilités sur les caractères de l'alphabet définis. Donc, une fois qu'on a ces distributions de probabilités, il reste à les décoder. Et donc là, l'état de l'art utilise un décodeur Beam Search basé sur CTC, parce qu'on utilise CTC pour le calcul de la perte dans le réseau. Et donc, nous, on a un décodeur qui est un petit peu personnalisé. Donc, en fait, on réutilise le code de TensorFlow, mais on l'a modifié, donc on a une nouvelle opération dans TensorFlow, et on a branché dans ce décodeur CTC un modèle de langage qui est basé sur KNLM. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on a deux phases dans la reconnaissance vocale. On a la première phase où l'acoustique est décodée en caractère, et donc, grosso modo, si on fait la transcription à ce moment-là, on va avoir quelque chose qui va être de l'ordre du phonétique, ce qui n'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc il y a une deuxième phase avec un modèle de langage dont l'objectif, c'est vraiment de, entre guillemets, modéliser la langue, la grammaire, la typographie, etc. Et donc de corriger, faire en sorte que tout ce qui ressort en phonétique puisse être du texte comme on s'y attend, entre guillemets. Donc ça permet de faire de la désambiguation. Je ne sais pas si c'est vraiment très français comme terme, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Correction orthographique, correction grammaticale. Donc, par exemple, le modèle, il va avoir appris que après tel mot, en général, on met plutôt tel mot ou plutôt tel mot. Et dans tous les papiers de recherche jusqu'à présent qu'on avait consultés, c'est la manière de faire de l'état de l'art et c'est ce qui permet d'atteindre des bons taux de reconnaissance. Si on débranche le modèle de langage, on a un taux de reconnaissance qui va se dégrader de 20 tiers à peu près. Donc c'est ce qui permet de passer d'un truc qui tombe en marche à quelque chose de vraiment exploitable. Malgré tout, sur le plan technique, il y a encore beaucoup de marge de progression sur la taille et la qualité du modèle. Et alors, une petite illustration, c'est un collègue qui m'a passé ça hier soir quand j'étais dans le train. Donc ce que vous voyez à l'écran, en bleu, c'est l'onde sonore telle qu'elle est récupérée par notre code. Donc c'est ce qu'on passe dans l'API. Et puis tous les petits traits rouges, ça correspond à la phase d'exécution du modèle acoustique. Donc vous voyez que pour grosso modo une certaine fenêtre temporelle, qui correspond à peu près à ça, vous allez avoir une exécution du modèle acoustique. Ça vous permet aussi en même temps de voir comment le streaming est mis en place. En fait, on va envoyer l'audio petit à petit dans le modèle. C'est quelque chose, je reviendrai dessus encore un petit peu après, c'est quelque chose qui n'était pas possible dans la première version telle que publiée par Baidu. Et ensuite, vous voyez sous les traits rouges, alors vous ne voyez peut-être pas très bien dans le fond, je suis désolé, mais vous voyez là,
des petits traits verts, ça correspond à la phase de décodage. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait tourner la partie acoustique, on va faire un décodage des données, des probabilités en texte. Et puis tout à la fin, vous avez un tout petit, il n'est pas super lisible, mais il est là. Cette fois-ci, c'est orange, et là, c'est le décodage final. Donc je trouvais que cette représentation permettait de vous résumer un peu le processus que j'ai expliqué. J'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions là-dessus, faut pas hésiter à les noter et à revenir dessus, soit pendant les questions après, soit après. Moi, je suis dispo après. Une fois qu'on a fait ce modèle-là, comment on évalue les performances ? Alors, en règle générale, pour évaluer les performances, il nous faut des jeux de tests. Les jeux de tests, il y a des jeux de tests standards qui permettent de se comparer aux autres modèles, donc voir comment on se place par rapport à l'état de l'art. Mais ces jeux de tests-là ne représentent pas forcément la réalité. Si je prends l'exemple de l'anglais du jeu de test qu'on utilise, il s'appelle LibriSpeech Clean Test. Il a deux propriétés qui sont pas très bonnes sur le plan de l'évaluation. C'est que d'une part, c'est basé sur LibriSpeech. Donc LibriSpeech, c'est un corpus qui est produit à partir de livres du projet Gutenberg. Donc c'est quand même principalement de la littérature 19e, 18e siècle. Donc c'est pas forcément, que ce soit en anglais ou en français, c'est pas forcément le parler, enfin le parler pour du texte, c'est pas très cohérent, mais c'est pas forcément la manière de s'exprimer moderne. C'est une première limitation, et ça joue de manière assez forte quand même sur la qualité des choses. Deuxièmement, c'est clean, c'est-à-dire que c'est du son où il n'y a pas de bruit. Or, en pratique, donc là dans la salle, comme tout le monde est bien attentif, il n'y a pas de bruit, mais dès que vous allez vous lever, il va y avoir du bruit. Et dans la réalité, même dans des environnements qu'on peut estimer calmes, il y a toujours un peu de bruit. Et ça perturbe pas mal. Donc ça me permet de vous expliquer à quel point les résultats des benchmarks qu'on peut publier peuvent ne pas représenter la qualité perçue réelle en utilisation réelle. Donc c'est un indicateur, ça nous permet de voir aussi comment on évolue dans le temps. Donc c'est pas inutile. Ça permet de se classer par rapport aux autres, donc c'est plutôt bien que de pouvoir dire que Mozilla, avec une petite équipe de 5 personnes, ils ont réussi à faire un modèle qui est dans les performances de l'état de l'art, mais ce n'est pas encore suffisant pour avoir quelque chose qui soit de qualité de production. Et là, on le voit assez bien. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif sur les dernières versions, sur toutes les versions qu'on a sorties pour l'anglais, donc sur ce jeu de données-là. Alors, il manque des versions. Il manque la version 0.1 parce qu'on a fait une bêtise quand on a fait l'entraînement et on avait mis le jeu de test dans la validation. Donc forcément, c'était biaisé et on avait un taux de reconnaissance à 5%. On était super contents, mais après on s'est rendu compte de notre bêtise, donc on s'est un peu calmé. On a fait la 0.2 et à la 0.2, on était à 11% de taux d'erreur. Sur ces 11%, pour vous donner un ordre d'idée, si on enlève le modèle de langage qu'on a utilisé, on remontait à 35-40%. Voilà. Ensuite, alors 0.3, on a dû faire la release uniquement pour changer de version de TensorFlow. On n'a pas changé le modèle. Et 0.4, 0.5, on était sur les nouvelles versions du modèle. Donc cette fois-ci, on avait cassé la couche bidirectionnelle récurrente pour une couche unidirectionnelle, on avait refait des modifs. Et entre-temps, on a aussi amélioré la manière dont on traite les données pour les mettre dans le processus d'apprentissage. Et on a aussi augmenté le volume de données. Donc, c'est ce qui nous permet d'arriver à 8,2%. Je crois que l'oreille humaine est donnée à 5%. Et les états de l'art Google ou Microsoft, ils sont autour de 5,5-6%. Donc, on est pas mal, il y a encore la marge de progression, mais on se défend bien. Le modèle en français, alors c'est plus compliqué, parce que le modèle en français, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus nous demander quand est-ce que vous avez un modèle en français, quand est-ce que vous avez un modèle en français, soit des contributeurs, soit des entreprises qui voulaient commencer à travailler là-dessus, et on n'avait rien parce qu'on n'avait pas passé de temps dessus. Donc, je m'y suis attelé, j'ai essayé de construire quelque chose qui soit réplicable.
Et comme une demande assez récurrente, c'était un docker pour pouvoir entraîner un modèle, je suis parti là-dessus. Donc tout ça, c'est sur GitHub. Le fait est que je n'ai pas pris le temps d'aller voir l'état de l'art pour utiliser des jeux de test standardisés pour pouvoir comparer à l'état de l'art. Donc les données que je donne en termes de taux d'erreur, c'est basé sur les jeux de test construits à partir des jeux de données que j'ai utilisés. Donc c'est à prendre avec des grosses pincettes, mais ça permet déjà de voir l'évolution. Le modèle de langue, dans les premières versions, je l'ai construit à partir de Wikipédia. Donc c'était un dump de Wikipédia texte. Qui a ses avantages et ses inconvénients. Et dans les avantages, c'est que le dump il était déjà là, ce qui est une bonne partie du travail déjà fait, c'est toujours cool. Dans les inconvénients, c'est que c'est pas parfait comme données. Première version, je l'ai faite à partir du modèle anglais, j'ai rajouté 40 heures de Common Voice, taux d'erreur à plus de 90%, ça permettait juste de vérifier que le modèle il sortait quelque chose. Mais c'était plus proche du générateur aléatoire qu'autre chose. 0.2, alors entre-temps, il y a un contributeur qui nous a parlé d'un jeu de données qu'il avait construit qui s'appelle Training Speech, qui est de l'alignement forcé sur LibriVox. Et j'ai trouvé Lingua Libre qui est fait par des gens de... comment ça s'appelle ? Wikipédia. Donc, c'est un projet qui essaye de faire un peu comme Common Voice, mais avec d'autres objectifs. C'est pour sauvegarder la prononciation des mots et la mettre sur Wikipédia. Donc, j'ai sourcé ces jeux de données-là. Le total, j'avais à peu près 250 heures. Et le taux d'erreur suivant les jeux de données était entre 26% et 55%. Alors, ça, c'est sur les ensembles de tests. Quand je parlais à mon téléphone pour faire des essais, c'était vraiment pas ouf. Les dernières versions que j'ai réussi à construire, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, je suis reparti du modèle de langue. Cette fois-ci, j'ai rajouté des débats de l'Assemblée nationale, parce que sur les extractions que j'avais faites, il y avait plein de textes que je n'avais pas utilisés, et les débats de l'Assemblée nationale, alors certes, c'est du texte assez normé dans la manière de s'exprimer, il y a tout un... pas un cérémonial, mais... il y a toute une manière de s'exprimer, de prendre la parole, de s'adresser aux autres députés, donc ça fait des biais encore. Mais ça a l'avantage quand même d'être du français un peu plus moderne d'être en grande quantité et d'être du texte qui n'est pas trop pourri par des balises HTML qui traînent, des choses comme ça. Donc j'ai pris ça. J'ai cherché d'autres jeux de données, j'ai mis à jour Lingua Libre. Training Speech, il avait rajouté de la donnée. J'ai trouvé un jeu de données qui est fait par je ne sais plus quelle université allemande qui s'appelle MI Labs. Il y avait quelque chose dedans comme 350 heures de français. Donc MI Labs, c'est aussi du LibriVox forcé, comme Training Speech. Donc il fallait juste faire attention en faisant l'import pour ne pas réimporter les mêmes données. Mais la combinaison des deux me donnait un bon ensemble. J'ai aussi trouvé un jeu de données avec du français africain. Donc c'est alors je crois que c'est des enregistrements qui ont été faits par l'armée, je sais pas dans quel contexte, je sais pas précisément, mais c'est au Cameroun, il me semble. Donc ça nous permet, alors c'est un petit jeu de données, il y a 15-20 heures qui sont utilisables, mais bon, ça permet déjà d'améliorer un peu la diversité des accents. Et le total, ça m'a permis d'avoir 650 heures. Donc au début, j'étais sur 40 heures, maintenant je suis à 650 heures. Et entre parenthèses, vous avez les taux d'erreur sur chacun des jeux de test de ces jeux de données-là. Alors les taux d'erreur seraient à pondérer par rapport au volume de texte. Lingua Libre, il y a 20 heures. MI Labs, il y en a 300-350. Donc quand j'arrive à 8% de taux d'erreur sur ce jeu de données-là, moi je suis assez content parce que ça a un vrai impact dans le modèle. Et vraiment, ça permet d'avoir un modèle qui permet d'expérimenter et de produire des démos intéressantes. Je l'ai partagé, enfin, il est sur GitHub, j'ai mis les liens aussi sur Discourse. Je suis en contact avec différents contributeurs qui intègrent DeepSpeech dans des applications à droite à gauche. Je ne sais pas à quel point je peux en dire plus, mais il m'a fait des retours qui vont dans le sens où on arrive à avoir quelque chose qui tient la route. C'est une bonne démo. C'est encore très loin d'un modèle exploitable en production, mais on a une bonne démo. Donc s'il y a des gens qui veulent jouer avec, expérimenter,
participer. Ils sont les bienvenus, c'est sur GitHub. C'est facile à réentraîner. Enfin, facile. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai deux RTX chez moi. Bon, évidemment, elles sont payées par Mozilla, parce que c'est quand même pas gratuit, ces machins-là. Et en 8 heures, j'arrive à entraîner le modèle. Donc, c'est accessible. Deux RTX, c'est du haut de gamme de gamer, mais ça reste accessible. C'est pas gratuit, je suis d'accord. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu, parce que là, je suis en train de déborder. Intégration, les objectifs qu'on avait prévus, c'était reconnaissance temps réel sur desktop, smartphone. Intégration dans plein d'applications, qu'elles soient interactives ou pas. Tout ça, ça nous a donné les contraintes qui ont défini le projet, le fait qu'on voulait une API-C, etc. À l'heure actuelle, on est capable de tourner sur du Linux, AMD64, ARM et ARM64, Linux avec CUDA. On n'a que CUDA, on n'a pas OpenCL, parce que TensorFlow et OpenCL, ils ne sont pas très très copains. J'ai passé beaucoup de temps avec les gens qui font Compute, CPP, c'est un SDK qui est utilisé pour OpenCL avec TensorFlow. Beaucoup de temps à expérimenter, mais bon, ça n'a pas été encore upstreamé complètement, donc on n'a pas voulu passer trop de temps là-dessus. On tourne sur Android avec à la fois la bibliothèque, le libdeepspeech.so, et on a une version qui est packagée pour du Java classique. Ça tourne sur Mac, ça tourne sur Windows, en CPU et en CUDA. C'est utilisable en C, en Java, en JavaScript depuis Node.js et Electron, en Python, je l'ai dit. Donc ça, c'est des bindings qui sont maintenus par nous, qui sont dans notre dépôt. On a un contributeur qui nous a fait le portage Windows et qui nous a fait des bindings .NET et qui sont dans notre dépôt. Et ensuite, on a des bindings Rust Ego. Au niveau des performances, on est temps réel depuis un petit moment sur n'importe quel CPU. On est temps réel sur Snapdragon 820 et 835. On a choisi ces deux-là parce que c'était des téléphones qui correspondaient à des besoins à la fois de nous et d'autres. On est temps réel sur Raspberry Pi 4 et on n'utilise aucun des accélérateurs. Donc on est temps réel sur un seul core, donc il reste de la place pour faire d'autres applications à côté. On n'utilise pas les accélérateurs parce qu'avec notre modèle, on tombe tout le temps sur des bugs dans TensorFlow. Je vais essayer de faire très court parce qu'il doit me rester 40 secondes. Donc Common Voice, comment vous pouvez aider? Parlez-en, partagez votre voix. Validez des échantillons. Si vous êtes utilisateur du jeu de données, utilisez-le. Faites-nous des retours. Et c'est le plus important. Si vous êtes intéressé par DeepSpeech, construisez les applications autour de DeepSpeech. Faites-nous des retours. Échangez avec nous sur ce qui va, sur ce qui ne va pas dans le projet, dans l'API. On est vraiment. Je vous ai mis quelques exemples d'idées de contributions possibles. Et par contre, j'ai bouffé complètement le temps pour les questions. Je vous ai mis quelques liens sur le dernier slide. Donc le site officiel de Common Voice, le dépôt GitHub francophone sur lequel j'ai mis le Docker pour entraîner et sur lequel je partage les modèles, le dépôt DeepSpeech officiel. On a un forum Common Voice francophone et on a un forum de Discourse DeepSpeech en anglais. Alors, Discourse Common Voice francophone, c'est Common Voice, mais vous pouvez aussi parler de DeepSpeech. L'objectif, c'est d'avoir un forum francophone pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Je ne veux pas non plus contraindre les gens qui ne sont pas à l'aise à ne pas pouvoir s'exprimer. Je pense qu'on ne va malheureusement pas avoir le temps pour des questions. Mais si on revient sur mon premier slide, vous avez mon mail en bas à droite. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez rentrer en contact, n'hésitez pas. Et puis sinon, on peut discuter après, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout ce qu'il faut. Merci pour votre attention.